Si tu veux réussir, arrête de savoir et fais. C'est le sujet qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis super content de t'en parler. J'espère que tu vas bien tout d'abord. Moi, c'est Julien. Si tu ne me connais pas, je suis ravi de t'accueillir dans cette vidéo. On va voir ce sujet tout simplement parce que je suis passé par là. J'y passe encore. Je connais beaucoup de personnes qui passent aussi par ici, par ce sujet justement de savoir beaucoup de choses. Ma sœur, mes amis, mon associé, des entrepreneurs avec qui j'échange au quotidien. Il y a des centaines de personnes qui passent par là. Sur ce fait de savoir beaucoup de choses, mais de ne pas faire. En fait, on pense souvent qu'il faut maîtriser beaucoup de choses, qu'il faut savoir beaucoup de choses avant de faire. Alors, sur le papier, c'est vrai. Sur le papier, c'est cool de savoir pour implémenter, pour aller beaucoup plus vite et pour mettre en place des choses qui fonctionnent. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça va se passer parce que plus tu vas en savoir, plus tu vas apprendre de choses. Plus tu vas faire une overdose d'informations et plus tu vas procrastiner, plus tu ne vas rien faire parce que tu vas croire qu'il te manque toujours quelque chose pour passer à l'action. Et c'est vraiment là où je veux en venir dans cette vidéo. Quand je te dis arrête de savoir et fais, c'est pas n'apprends plus, ça c'est indispensable. C'est pas ne fais rien sur cette partie justement d'accueillir des informations dans ton cerveau parce que ça c'est méga important de l'entraîner, c'est méga important justement de te cultiver et d'apprendre de nouvelles choses. Mais faut pas que ça devienne en fait un frein à l'action et c'est ce qui se passe souvent. J'ai échangé avec une personne il y a très peu de temps qui m'expliquait, putain, c'est génial, j'ai appris ça, ça, ça. Et je lui ai posé une simple question. Je lui ai dit, mais ça, tu le savais déjà, non? Et la réponse, ça a été, bah ouais, mais en fait, il manque juste l'action. Donc c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, dans ton quotidien, que ce soit dans le business ou pas d'ailleurs, n'essaye pas de savoir, n'essaye pas de maîtriser tout de A à Z. Essaye juste de comprendre le fonctionnement et le reste, c'est fais les choses. Arrête de vouloir tout savoir, ce n'est pas possible. Et comme disait Socrate en plus, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc il y a plein de choses que tu ne sais pas et quoi qu'il arrive, tu ne sauras jamais tout. Et c'est vraiment un point important que je veux appuyer là-dessus. Et c'est ce que je vois d'ailleurs dans mon programme. C'est ce que je veux vraiment appuyer là-dessus dans mon programme Impulsion, dans le programme que je vais lancer là. Je veux vraiment qu'on soit sur le côté, oui, savoir, c'est cool, mais qu'on soit vraiment sur le côté action parce que c'est là où tu vas pouvoir avoir des résultats différents. C'est là où tu vas pouvoir passer un cap réellement au quotidien. Et tous les jours, en fait, tu vas passer des caps si tu fonctionnes avec ce schéma-là dans ta tête. Et c'est là où je veux en venir vraiment. C'est vraiment important là-dessus. Donc arrête, arrête de me dire, arrête de dire à tout le monde, bah ouais, mais je ne sais pas encore comment ça fonctionne, je ne sais pas comment si, je ne sais pas comment ça. Non, stop. Tu passes à l'action, tu fais les choses. Et après, on peut optimiser, on peut toujours optimiser. Et au pire, si ça ne marche pas, ça ne marche déjà pas. Donc ça ne peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Donc voilà, c'est vraiment un sujet que je voulais traiter sur cette vidéo. Comme tu le sais, je ne sais pas si tu me suis, mais j'ai décidé aujourd'hui maintenant de faire des petits articles, des petits billets avec des sujets bien précis, des sujets que je peux côtoyer au quotidien, peut-être que j'ai déjà vécu, peut-être que des clients vivent. Mais j'ai vraiment envie d'aller sur ce type de vidéo très, très simple, des vidéos pas coup de gueule parce que ce n'est pas le sujet, mais plus des petites vidéos. Sur un sujet bien précis, pas forcément des vidéos très bien construites, je m'en fous, c'est pas ce que je recherche, mais j'ai envie de te faire des déclics dans ta tête et c'est vraiment ce que je vais rechercher ici. Voilà, donc arrête, arrête de savoir et fais les choses et dis-toi qu'au final, on sait tous beaucoup de choses et la plupart du temps, tu sais déjà les choses. Tu peux pas, on peut pas se mentir. Même moi, je suis le meilleur sur ça. Putain, bah attends, faut que j'apprenne ce dernier truc, faut que j'apprenne ci, faut que j'apprenne ça avant de faire. Mais non, stop. C'est pour ça que je me fais accompagner, c'est pour arrêter cette petite voix dans ma tête qui me dit, mais non, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne, non, et ça doit être pareil pour toi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te parle, tu peux me le dire d'ailleurs en commentaire, et je te souhaite vraiment une belle journée et tout le succès que tu mérites. À très vite, ciao.